Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo. J'avais prévu d'autres choses mais je n'ai toujours pas reçu la Fairy Loot et j'avais pas envie de vous faire trop d'updates les uns derrière les autres. Donc je reviens aujourd'hui pour un book tag. Donc je filme avec un nouvel appareil puisque j'ai changé de téléphone portable. Donc celui-ci, mon ancien, je vais encore m'en servir pour d'autres choses. Mais je filme avec mon téléphone qui normalement fait un autofocus qui est très discret contrairement à l'autre, ce qui fait que parfois j'étais floue parce que j'avais pas bien fait la mise au point. Donc je vais tester, je sais pas ce que ça va donner au son, donc ça sera un petit peu test aussi. Et je vais faire avec donc le book tag de A à Z. C'est un vieux book tag qui je crois que ça date de 2015 par là. Mais comme je ne l'avais jamais fait, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour découvrir et pour varier un peu le contenu. Il y a d'autres book tags qui m'intéressent, mais je vais pas les faire tous les mois non plus. Voilà. Donc je vais justement servir de mon vieux téléphone pour répondre aux questions avec les différentes questions qui sont tombées. Peut-être des fois je devrais me lever, je ne sais pas, hein, puisque je suis pas trop mal au-dessus et en bas, je suis en pyjama, le classique du youtubeur. Donc on commence de suite donc avec la première lettre de l'alphabet, A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors c'est une excellente question et ce n'est pas Harry Potter. Je crois que les Patricia Briggs sont pas trop mal puisque j'ai lu en tout... Combien je suis avec celui-là, moi? 11 livres sur les Mercy Thompson. Et en bas de l'autre côté, j'ai encore les 4 tomes de Alpha et Omega. Du coup, je pense pouvoir dire que Patricia Briggs est l'auteur dont j'ai lu le plus de livres. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Alors c'est très très compliqué. Parce que oui, je suis une fan d'Harry Potter, mais je ne le mets pas non plus sur un trop grand piédestal. Parce qu'il y a tant de séries qui sont merveilleuses aussi. Ah bah oui! Ce livre-là. Donc, Dragon de Sable, c'est le tome 2. Donc, Chronique royale suivie des Mémoires d'Outre-mer, donc de Marc Ismier. C'est un auteur qui n'est pas très connu puisqu'il s'agit d'une sorte de... Pas sûr que c'est de l'auto-édition, mais j'y crois fortement. J'adore cette saga. Pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. J'aimerais bien que la suite arrive. Et j'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. Et celui-ci en a aussi été un. Et c'est un coup de cœur qualité, vous voyez. J'adore les Mercy Thompson, je suis très fan. Mais soyons honnêtes, c'est pas non plus de la grande littérature. Là, on est sur du fantasy. Et c'est une pure merveille. Donc je vous les conseille d'ailleurs. Donc Marc Ismier, il me semble qu'il les revend que sur Amazon. Je sais que j'aime pas trop non plus acheter sur Amazon, mais quand c'est qu'en vente là, ben voilà. Donc il a écrit HF. Donc ne me demandez pas si c'est une vraie maison d'édition ou pas. On va aller chercher ça, hein. Donc c'est aux éditions Amazon, hein. Printed in Poland by Amazon Fulfillment. Donc c'est une auto-édition, plus exactement les éditions de Amazon. Donc très bonne qualité, même au niveau de l'orthographe, je suis pas tombée sur des horreurs de l'orthographe et de la grammaire, hein, voilà. Donc je pense que pour ça c'est bon, je passe à la lettre C. C pour Current, lecture en cours, donc c'est la seule que j'ai prévue à l'avance, les autres j'improvise. Donc il s'agit de L'habit ne fait pas le moineau de Zoé Brisby. Donc c'est une histoire de covoiturage vers un jeune, enfin avancé, je crois 25 ans par là, dépressif, et une grand-mère nonagénaire, donc qui aime bien se comparer à une jeunette de 60 ans, elle va donc à Bruxelles pour se faire euthanasier parce qu'elle est persuadée d'avoir Alzheimer. Et comme son mari est mort d'Alzheimer, elle ne voulait pas oublier qui elle était et perdre qui elle est. Donc c'est assez comique puisqu'en fait chacun se donne pour mission de sauver l'autre. C'est-à-dire que la grand-mère veut sortir le jeune garçon Alex de sa dépression. Et Alex, lui, veut
persuader Maxine de ne pas se faire euthanasier et de rester en vie et de profiter des jours qui lui restent. Et c'est une belle amitié entre un jeune et une grand-mère, un jeune vieux et une vieille jeune, on va dire ça même comme voilà. Et c'est bourré d'humour, c'est franchement c'est très drôle, c'est tordant. Ça pète pas de mine comme ça, mais c'est extraordinaire, je vous le conseille à 200%, même si je l'ai pas fini. La lettre D, D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors la majorité du temps, je vais de l'eau. Voilà, j'ai souvent une bouteille d'eau à côté de moi quand je lis. Et c'est vraiment que quand je lis le soir, qui se fait tard, ou en plein hiver quand il fait froid, que je bois du thé. Mais globalement, celle que je bois le plus, c'est l'eau plate, Château la Pompe, eau du robinet, pour ceux qui ne connaissent pas la référence. I pour e-book, e-books ou roman papier. Alors, j'ai une Lesos, je ne l'ai pas utilisée depuis 9 mois. Je pense que la réponse, puisque ça je vous rappelle c'est ma pile à lire, papier, j'aime l'avoir sous les mains, plus que l'avoir le toucher du papier, j'aime faire comme ça et me dire tiens je suis arrivée à la moitié, voilà, j'aime bien voir les lettres, regarder la présentation, j'aime l'objet livre tout simplement, donc papier. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sortie au lycée. Oh, ma question, est-ce que je suis très chiante, hein. Je suis très chiante. Ah non mais j'aimais les bad boys quand j'étais au lycée, après je me suis rendu compte que ça servait à rien d'essayer de les changer. Fallait juste changer de type de mec tout simplement. Donc il faudrait un bad boy qu'on a envie de sauver et qui finalement ne se fait pas sauver. Ouh, grand dilemme, il n'y en a pas beaucoup parmi les héros. Tugdal, je pense, dans les Oxapolocs, un peu ténébreux comme ça, très écorché vif de l'intérieur. Je pense que c'est un mec avec qui j'aurais pu sortir au lycée, même si maintenant ça ne l'est plus. J'ai pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Oh, un roman sur lequel je suis contente d'avoir donné une chance. Je vais pas dire ma lecture en cours actuelle, puisque c'est quelqu'un qui m'en a vanté les mérites et c'est pour ça que je l'ai lu. Je me retourne là encore une fois. Je dirais que c'est le cycle de fondation de Isaac Asimov. Alors faut savoir que je l'ai acheté quand j'étais au collège, j'étais dans ma période boulémique en termes de littérature et j'avais envie de changer, j'avais envie de lire un auteur étranger, un auteur pas connu. Vous allez me dire Isaac Asimov il est très connu, oui, mais je croyais qu'il n'était pas connu à l'époque. Le problème c'est que quand j'ai parlé de la lecture que j'avais fini, c'est là que j'ai compris que c'était un très grand de la science-fiction. Mais je suis contente de lui avoir laissé la chance puisque j'avais demandé pour une... C'était la première fois que j'étais allée voir mon petit libraire, donc qui était, puisque j'étais au collège à Castelsarrasin, hein, de toute façon, voilà. Et il y avait une librairie qui malheureusement a fermé, il est parti à la retraite et personne n'a repris le fonds de commerce. Et je lui avais tout simplement demandé conseil, et c'est lui qui m'avait conseillé, qui m'avait proposé ça. J'ai accepté, j'ai bien fait. H pour Haydn, un roman que tu considères comme un joyau caché. Je dirais Les 7 étoiles du Nord de Abby Elphinstone, c'est surtout le nom de l'auteur qu'il fallait que je retrouve. J'en ai pas beaucoup entendu parler, je l'ai pas vu passer beaucoup sur Booktube et pourtant je trouve que c'est une merveille. C'est de la jeunesse, milieu ado en fait, jeune ado, donc milieu collège pour ceux qui aiment la lecture, même fin collège pour ceux qui sont bien à l'aise avec les lectures. Malheureusement voilà, j'enseigne en collège actuellement, bon, en SECPA, donc ce sont pas les plus grands lecteurs, bien que j'ai beaucoup d'élèves qui aiment la lecture, même s'ils sont globalement plus branchés manga et BD. Mais j'entends très bien mes collègues et le niveau en termes de lecture, ils y vont de moins en moins. Et soit c'est des très férus de lecture et qui vont directement dans les trucs young adult, etc. Soit faut vraiment baisser d'un cran par rapport à ce qu'on nous conseille au niveau des âges. Mais c'est pas le sujet. Donc franchement, il est top. Je dirais que c'est un mixte, si on veut comparer. Hein. C'est un mixte entre Narnia et Les Royaumes du Nord, pour moi, j'adore, j'en avais parlé dans un update lecture et c'est vraiment une pépite d'un point de vue contenu, mais aussi extérieur, ça compte qu'on le veuille ou non. I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Je dirais que c'est Le Livre de la Jungle de Kipling, parce que c'est tout simplement le premier livre
qui n'était pas vraiment avec images, que j'ai terminé, bien qu'on m'ait forcé à le finir celui-là. J'adorais la fin avec la mangouste et le cobra, je crois, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et je trouve que c'est un moment important, le premier livre qu'on termine, le vrai gros roman en fait. Je trouve ça sympa et j'aimerais bien le mettre, puisque il y en a beaucoup qui mériteraient leur place. Le moment où je suis tombée dans les sagas, les moments où je suis sortie de juste je lis les Harry Potter parce que tout le monde les lit, ou plus exactement parce que ma mère et mon frère les lisent. Donc je vais rester, je pense, sur Kipling, sur le premier grand livre que j'ai fini. Enfin, grand livre, maintenant pour moi c'est un petit livre, mais à mon âge c'était un gros livre. J pour juste le roman que tu viens juste de finir. Ben, c'est celui qui est sur la tranche juste là parce que ben il ne marche pas en hauteur. Donc je le mets avec la tranche en bas puisqu'il est bien serré, donc ça n'abîme pas le livre. Et il pourra retourner droitement une fois qu'il aura descendu d'un cran, parce que malheureusement en haut, j'avais acheté une planche en plus pour faire une planche manga où je me disais ben j'ai pas besoin de beaucoup d'espace, donc ça me permettra d'en rentrer plus. Mais au final, ben les grands livres, les gros formats illustrés, ça rentre pas. Donc je vous ai dit que c'est celui-là, mais je vous ai toujours pas dit ce que c'est. Donc c'est le premier tome des Étoiles de Noce Head de Sophie Gemin, version illustrée. Je les avais jamais lus. J'avais prévu d'attendre de tous les avoir pour tous les lire. Et j'ai une amie qui m'a dit qu'elle n'avait pas accroché et que je devrais peut-être quand même lire le 1 pour être sûre que ça me plaise au lieu de m'acheter tous les illustrés. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a plu. Donc c'est sympa, c'est gentillet, c'est du young adulte, fin ado. Très sympa. Ouais, qui a beaucoup de potentiel. J'ai hâte de lire la suite en fait, au final, pour voir vers où ça peut aller. Donc un mélange sorcier, loup-garou, enfin sorcier. Oui, il y en a, même si on n'en a pas croisé. Mélange avec les humains, enfin un grand classique du genre. Et c'est la dernière lecture que j'ai faite. K pour Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, je dirais pas qu'il y a un jeu. J'ai pas envie de dire jamais parce que à un moment je dirais que je lirai jamais de roman romance. Le problème c'est que je suis fan de Nora Roberts et qu'on veuille ou non de temps en temps faut aller sur de la romance romance et que j'ai fait des écarts avec la Once Upon a Book justement pour sortir de mes sentiers battus et j'en ai reçu deux comme ça, romance de Noël x 2. C'est typiquement ce que je disais jamais je n'irai de romance de Noël. Pour l'instant je les ai jamais lus mais bon je le ferai. Qu'est-ce que je ne lirai jamais? Quel genre de roman? Aucun. Je suis pas attirée par les trucs de politique, mais je ne peux pas dire ça non plus parce que j'ai envie de lire Mein Kampf par curiosité, voir comment on en est arrivé là. J'ai envie de lire Guerre et Paix, ou enfin ce genre de truc par curiosité pour voir ce que ça donne, donc aucun en fait. Elle, pour le roman le plus long que tu aies jamais lu. Je pense que c'est un Bloodsong, du coup pour l'instant 2, même si le 3 dépassera le record. Donc le tome 2 de Bloodsong, donc de Anthony Ryan ou Ryan. Je crois que c'est le plus long, puisque en un seul tome je parle. Parce qu'après en intégrale ça peut se discuter. En plus on m'a offert la première intégrale de l'Assassin Royal. Donc je. Voilà. Mais pour l'instant, oui, Bloodsong, tome 2. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein l'ivresse, tu ne pouvais plus rien lire après ça. Oh, dur. Parce qu'il y a eu la période après. Au début de ma licence, j'ai arrêté de lire, mais c'était plus parce que j'étais passée à d'autres activités qu'un livre qui n'allait pas. Sachant que j'avais commencé déjà à moins lire au lycée. Et après, je suis revenue. Qu'est-ce qui m'a fait. Je vais aller dans mes archives. Je vais aller dans mes archives. Alors, je pense que je vais faire autre chose, puisqu'en fait, je vais l'aborder autrement. C'est-à-dire que si j'ai un livre qui me bloque, généralement, je sors de suite en même temps un livre sympa. Et je me fais une journée, un jour dans la semaine où je vais lire le livre que bof. J'en ai un que j'ai fini comme ça il n'y a pas très longtemps, même s'il n'est pas affreux, mais il est lourd en termes de sujet, qui est au niveau des grands massacres et des comment dire, des génocides, hein. Bon, on va pas éviter de mentir sur le sujet. Et après, donc celui-là est terminé, j'en ai un autre en anglais, donc il n'aide pas en plus, puisque c'est difficile à lire, parce que l'histoire est plate et sans intérêt, en général, je fais pause et j'en prends un qui me plaît pour faire ça. Par contre, il y a un truc à un moment qui m'a stoppée dans la lecture. C'était le moment où j'acceptais les services presse, il y a un peu plus d'un an.
que j'ai commencé à accepter. Et en fait, comme on faisait pas mal de propositions, puisque c'est des services presse en e-book qui sont pas connus, donc c'est pour en parler, c'est pas non plus les gros livres qui vont sortir. J'en acceptais en fait beaucoup et je m'en fixais 2 à 3 par mois. Alors que de base, je lis 4 livres par mois en moyenne, 4 à 5, 1 voire 2 par semaine si jamais il y en a un que j'enfile comme ça, comme le dernier livre là, j'ai fini en une après-midi. Donc ceux-là, il n'y en a pas beaucoup non plus et puis il faut avoir le temps de le faire. Ça m'a bloqué, j'ai arrêté et je fais l'autruche dans ces moments-là en plus. Même si j'ai prévenu que je ne pourrais pas. Voilà, je lirai les livres qu'on m'a confiés et j'en parlerai. Mais plus tard. Surtout qu'en plus, on était en format e-book, pas forcément en format. J'en ai reçu certains. Hein. Tous les livres, services presse que j'ai reçus en physique, je les ai lus, hein, c'est pas un problème. Par exemple, L'œuf de Tinglemore de Azahel Jellil, je l'ai lu. J'ai même acheté la suite. Voilà. Mais c'est ça qui m'a bloquée. Et c'est pour ça que j'ai arrêté les services presse contraignants comme ça. Parce que j'avais enchaîné les services presse à la suite du comité de lecture de Cultura, où je faisais beaucoup de lectures pour Cultura dans des livres, dans des thèmes qui ne m'intéressent pas à premier abord, et que je devais lire en continuité, parce que je voulais en lire un maximum pour voter sur, la rentrée littéraire, pour donner nos avis et faire un choix là-dessus. Donc. Voilà, c'est à m'imposer sur un trop long laps de temps des lectures qui ne sont pas forcément ce que j'aime le plus, et même si ça l'est, si ça dure trop longtemps comme ça en s'imposant et pas pouvoir changer d'avis, ça ne va pas. Genre là, je suis en pile à lire sur le Cold Winter Challenge, j'ai changé quelques livres parce que je peux me le permettre. Du coup, ça va. Mais là, ça m'avait fait trop et ça m'avait fait un gros trou, j'avais arrêté pendant quelques mois. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors techniquement, si on reste sur mes livres à moi et qu'on oublie la bibliothèque de manga de mon conjoint, puisqu'il en a trois, j'en ai une, deux derrière moi et j'en ai commencé une troisième que vous voyez probablement pas. Donc j'ai trois bibliothèques pour le moment, qui pour l'instant, ma troisième bibliothèque est remplie de plus de bibelots parce que Ikea est en rupture de stock, j'ai déménagé et les meubles que je veux ne sont pas là. Donc là, je suis un peu en système D, j'ai encore des cartons partout que ne voyez pas à l'arrière. Voilà. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Et bah pour le coup, ça va être Finger in the Nose. Harry Potter 1, je l'ai lu 13 fois. 12 fois en français, une fois en anglais. C'est le livre que j'ai le plus lu. Après le Harry Potter 2, qui arrive en deuxième position. Et après, en général, j'arrêtais là quand je me disais que j'allais m'en faire une relecture. Mais Harry Potter 1, il est vraiment beaucoup passé. Et après, je suis pas une grande relectrice. Je le fais de temps en temps, notamment je vais le faire pour la saga de Mélissa de la Cruz. Je pense que je vais me refaire donc les sangs bleus, etc. pour vous les présenter. Et potentiellement je me referai les Eragon, puisque j'ai vu que l'auteur était en train d'écrire la suite. Ça fait très longtemps. Et autant le premier et le deuxième, je m'en souviens bien, le troisième moyen, le quatrième mais a fait un grand vide dans ma mémoire. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Oh, très bonne question. J'en ai trois. Mon canapé, sous un plaid, accompagné du chat bouillotte en plein hiver. Mon lit. Et actuellement, il y a aussi ma chaise de bureau qui se fait aller en arrière, donc très pratique. Mais dans l'absolu, si je devais choisir un endroit, malheureusement, on n'est pas chez moi. C'est le vieux fauteuil de grand-mère là avec les gros trucs bien solides sur le côté parce que je me mets dans une position étrange avec les pieds qui sont en l'air contre le dossier là, ma tête, enfin un truc étrange. Et j'ai jamais aussi bien lu que dans cette position dans un vieux fauteuil tout moche. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou que tu fais ressentir plein d'émotions. Alors je suis pas une grande fan des citations, j'en sors pas beaucoup en réalité. Et je vais faire un grand cliché, puisque j'ai lu Huis clos de Jean-Paul Sartre, que j'ai beaucoup aimé, contrairement à certains de mes amis qui ont dû le lire aussi. C'est l'enfer, c'est les autres. Je suis quelqu'un d'associable. Je suis très sociable, mais pas sociale. C'est-à-dire que je suis très à l'aise avec le monde, mais si je peux ne pas les voir, c'est mieux. C'est d'ailleurs pour ça que pour discuter de littérature, je le fais à travers une vidéo que je vais monter et que d'autres vont voir sans que je sois là. Donc en réalité, l'enfer c'est les autres, ça me va bien puisque les seuls moments où je me sens pas bien, c'est à cause des autres. Je trouve que c'est pas mal.
C'est une bonne philosophie, une bonne réalité. R pour regret, un regret de lecteur. Un regret de lecteur qui continue. C'est... Enfin, j'en ai deux. Je vais vous en dire deux, je triche. Le moment où j'ai arrêté de lire, à la fin du lycée, début fac, parce que j'aime ça, ça permet de me détendre et j'aurais sincèrement pu le faire, même si je travaillais à côté, tout ce qu'on veut. Même si j'avais des bonnes notes, tout ce que vous voulez, j'étais pas non plus celle qui passait 3 ans sur son travail. J'y passe plus de temps maintenant sur mon travail, maintenant que je travaille pour de vrai, pour préparer les cours de mes élèves. Je regrette ça, et le deuxième regret que j'ai, et que je continue à avoir par contre, c'est de me forcer à finir les livres que je n'aime pas. D'ailleurs, je pourrais très bien prendre ce livre en anglais et ne pas le finir, mais j'ai prévu d'améliorer mon anglais, donc je vais le finir. C'est de me forcer à finir les livres que j'aime pas. Concrètement, des livres abandonnés, j'en ai très très peu. J'en ai un. Un seul. C'est Voyage au bout de la nuit de Céline. Je sais pas si j'ai le titre exactement comme ça. Ou si c'est Voyage jusqu'au bout de la nuit, je ne sais plus. J'ai pas pu le finir. C'était une lecture forcée. Mais j'ai jamais eu de problème. La controverse de Valladolid, c'est peut-être pas passionnant, mais j'ai réussi à le lire. Hein. Mais c'est le personnage qui m'insupporte énormément. Il y a d'autres livres que j'ai pas aimé, que j'ai fini quand même, comme le premier, Maeve Regan, que finalement, vous le savez, en premier avant-première, j'avais le 2, je me disais que j'allais laisser une chance, mais je me suis dit non. Ce livre, ça fait 3 ans que tu l'as dans ta pile à lire, parce que tu as pas envie de le lire, tu le liras pas. Et je me suis débarrassée d'ailleurs de cet homme-là que j'ai donné... pour revendre, donc pour une association, et je me force quand même encore à finir des livres quand je les ai commencés. Et un jour il faudra que j'apprenne à abandonner quand ça ne me plaît pas. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Vous avez vu ma vidéo sur les sagas en cours, il y en a tellement. Il y a... qu'est-ce que je pourrais citer? Franchement, il y en a tellement. On va regarder là. Les Blue de Song que j'ai pas fini. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les Anna de la compagnie. Non, je sais pas comment c'est, ça marche pas. La guerre de la sorcière qui est terminée. Ensuite, on a quoi? Il y en a tellement. L'autre monde de Maxime Chatham, mais je l'ai commencé il y a pas longtemps, donc ça va. Non, il y a vraiment les Mélissa de la Cruz qui sont des reliques des sagas que j'ai. Les Akazimok, je parlais du cycle de fondation et j'ai découvert qu'il y en avait 2. Ça fait un moment que je les ai, il ne me reste plus qu'un. Je l'ai le dernier livre. Mais il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors, c'est là qu'on va faire une pause et je vais les sortir de ma bibliothèque. Hop. Je les ai. Je vais les en mettre dans l'ordre de lecture. Et promis, il n'y a pas Harry Potter, puisque même si c'est une saga que j'adore, d'un point de vue, c'est pas ça qui m'a lancée dans la lecture, donc c'est pas ce qui m'a marqué le plus. D'abord, il y a Eragon de Christopher Paolini, qui est très connu. Le film, je le déteste, hein, si vous voulez la couverture originale, c'est plutôt dans ce genre-là, et je compte m'acheter le grand format pour aller avec les autres grands formats que j'ai. C'est le livre qui m'a fait lire beaucoup de fantasy, fantastique, etc. Puisque c'est la deuxième saga en fait dans laquelle je me suis investie après Harry Potter. Et dont je suis très contente d'avoir fait. Ça m'a donné la soif de lire. Et pour moi c'est génial. C'est de la qualité. Alors oui, on attend du temps entre les sorties. Par contre on sait pourquoi on attend. C'est-à-dire que c'est pas des tomes bâclés. C'est un univers qui est très riche, un peu à la Tolkien si on a envie, mais pas aussi fourni, mais on a des langues étrangères différentes en fonction des différents peuples. Donc oui, on a de l'elfique. C'est pas le même elfique, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'attends beaucoup du coup du prochain livre qu'il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire le tome 5. Je sais pas quand ça sortira, je sais que ça sortira, ça peut sortir dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. J'achèterai quand ça sortira. Autre livre que je vais présenter, c'est la saga Everworld de K.A. Applegate, donc qui est ce qui m'a entraînée dans plusieurs choses. Déjà, c'est ce qui m'a entraînée dans tout ce qui est lecture avec des héros mythologiques, donc avec mythologie. Et là, c'est vraiment tout parce que dedans, on a la Grèce, on a aussi les Romains, on les a en même temps d'ailleurs. C'est assez marrant parce qu'ils se font la guerre entre dieux de la même chose. On a la mythologie nordique, on a la mythologie la chrétienne avec
tout ce qui est les chevaliers de la table ronde, enfin du moins leurs enfants. Toutes les mythologies sont mélangées dedans et je trouve ça incroyable et très riche, puisqu'on a aussi les dieux aztèques, on a les dieux chinois, enfin chinois d'Asie, je sais pas lesquels, je me souviens plus, qui est extraordinaire. Et je pense que si un jour je me fais une lecture, ce serait bien ça. Donc c'est chez Gallimard Jeunesse que j'ai ces éditions là, mais elles sont plus rééditées. Et la deuxième raison pour laquelle j'adore ce livre, c'est que c'est la première saga en dehors de ma famille que j'ai lue en même temps que quelqu'un d'autre qui était mon meilleur ami, qui est décédé depuis malheureusement. C'est des choses qui ne devraient pas arriver mais qui arrivent. Donc c'était la première fois que je lisais une saga en même temps qu'un autre membre de ma famille, donc qui sortait de mon cocon familial. Même c'est les premières fois où on me prêtait des livres et les premiers livres que j'ai empruntés en librairie. Donc c'est vraiment une saga que j'ai adorée, que j'ai lu à une vitesse incroyable, puisqu'ils étaient déjà tous sortis quand je les ai, j'ai commencé à les lire. Mais j'en ai des souvenirs extraordinaires. Et là, je vais vous montrer mon livre policier favori. C'est pas le premier policier que j'ai lu, loin de là. C'est ma grand-mère qui m'a donné, et c'est là que je me suis rendu compte que ma grand-mère avait des loups. Elle lisait pas ce que je pensais qu'elle lisait, en fait, voilà. Donc c'est La forêt de la peur de Michel Gagnon. Michel Gagnon, j'ai lu donc toute la saga qui est avec l'agent Kelly John qui va avec. Donc j'ai commencé par ce tome-là, qui est le tome 2. Ça se lit très bien, ça d'avoir lu le tome 1, mais après du coup j'ai lu le tome 1, les autres tomes qui y allaient, c'est une saga terminée. Tueur en série, qui torture ses victimes, je pense que c'est suffisant, c'est ce qui m'a donné la passion justement des tueurs en série, c'est en termes de policiers, avec le policier qui ne nous épargne pas dans les détails, avec le personnage principal qui vit des choses qui sont pas vraiment évidentes, soyons honnêtes. J'adore, et voilà, pour tout vous dire, tueur en série qui s'attaque uniquement à des hommes homosexuels qui se travestissent et qui les eunuques et les énucles, donc énucléer, enlever les yeux de leurs orbites. On apprend du vocabulaire comme ça. Donc c'est gore, c'est un homophobe, un tueur en série homophobe, soyons honnêtes. Hein. Mais j'ai adoré ce livre, j'ai vraiment adoré. Alors il nous reste plus beaucoup de lettres. Donc après le TU pour unapologétique, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fangirl. Harry Potter, à mon âge ça passe encore vis-à-vis de mes élèves, ça peut paraître étrange puisque je suis enseignante. Et même si je suis enseignante de primaire ou là voilà, je suis aussi enseignante au collège maintenant, donc en SECPA, donc avec des adolescents, donc j'ai envie de le montrer. Hein. Je n'ai pas repris une coque Harry Potter. Donc je suis une fangirl des Harry Potter, mais plus que les Harry Potter, je suis une fangirl du Seigneur des Anneaux. C'est pas une honte, hein, mais voilà, c'est pas un souci. Je l'assume. Mais voilà, je suis une fangirl des HP et du Seigneur des Anneaux. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Eh bien, je pense qu'on peut ressortir le cinquième tome de Eragon. Je l'attends. J'ai hâte. Parce que les Mercy Toxon, par exemple, le 12e tome, il est sorti, mais j'attends la poche. Et je suis capable d'attendre la poche. Je serais pas capable d'attendre pour Christopher Paolini. Non. W pour Worst, ta pire habitude livresque. J'ai pas de mauvaise habitude livresque. Non. J'ai un marque-page dans chaque livre de ma bibliothèque et dans chaque livre de ma palle pour que personne corne mes pages. J'ai inscrit au crayon papier mon nom sur chacun de mes livres. On ne sait jamais si la personne à qui je le prête oublie que ce n'est pas le sien. Non, je vois pas les mauvaises habitudes livresques que j'ai. Non, en réalité, j'en ai pas. La seule mauvaise habitude que je pourrais avoir, c'est d'acheter plus que je ne lis et je suis en train d'essayer d'y remédier. Voilà. X pour X. Commence à compter en haut, à gauche de ton étagère, la plus proche, et prends le 27e livre. Alors en fait, c'est Le parfum de Patrick Suskind, Patrick Suskind. En fait, c'est un livre, j'en suis là en termes de lecture. C'est un livre en cours, pas terminé, mais j'ai laissé le marque-page. Parce que j'en ai un deuxième exemplaire. Celui-là, en réalité, faut pas le dire, c'est celui de mon beau-père. Et j'ai réussi à en obtenir un qui est dans la pile à lire. Et je me suis dit que je le relirais complètement parce que
J'ai fait une très longue pause sur ce livre-là. Voilà. Donc c'est un grand classique très connu que j'ai pas besoin de présenter. Il est sorti en film, dont j'ai entendu beaucoup d'échos, mais je n'ai pas envie de voir pour pas me faire spoiler le livre. Donc avec quelqu'un qui est très sensible du nez, qui sent toutes les odeurs, malheureusement aussi les mauvaises odeurs, parce que les gens sont des porcs pour lui. Donc effectivement, on retrouve Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. Et il découvre pendant la première fois une odeur naturelle, très agréable d'un être humain, donc d'une jeune femme qui sent la fleur, le printemps, tout ce qu'on veut. Donc il va faire une fixette, donc c'est pas elle qui va tuer, hein. Au fur et à mesure il va chercher donc des femmes, puisqu'il va travailler dans le parfum, pour produire le parfum le plus parfait. Malheureusement pour ça il est obligé de tuer, mais bon, rien ne vaut, il faut savoir faire des sacrifices pour parfaire son œuvre, n'est-ce pas? Je cautionne pas le meurtre, hein, rassurez-vous. Y pour Yo, ton dernier livre acheté. Ah bah oui, facile. Il est là. J'ai bien dit acheter, on m'en a offert d'autres. Il s'agit de l'intégrale de Grisha, donc je l'ai aux éditions Françoisir. La couverture, on en parle, la couverture. Je l'ai acheté parce que ça fait très très longtemps qu'il est dans ma wishlist, tout le monde en parle, tout le monde adore, ça a l'air fantastique et génial et je sais que je vais adorer. Et Netflix a décidé de la sortir en saga. Donc en fait je me suis dit que j'allais le commencer et lire au moins le premier tome. Bon là c'est juste pour savoir quand ça s'arrête et il y a une petite nouvelle en plein milieu, ce qui fait qu'on en a un de plus. Hein. Et j'ai hâte de lire. Donc c'est la saga Grisha de Leigh Bardugo. Donc l'intégrale aux éditions Françoisir. Et après vous pouvez l'acheter en petit format, mais je me souviens pas du nom des tomes. Je dois l'avoir au début, quelque part. Ah voilà, je l'ai. Donc le premier tome c'est Grisha. Ensuite le dragon de glace, pour en fait avoir l'oiseau de feu, titre français qui n'ont rien à voir, enfin du moins pour le premier avec le titre, parce que le premier titre c'est Shadow of and Bone, donc le premier normalement c'est censé être ombre et os, après Siege and Storm, donc et Rain and Rising, rien à voir avec le titre français, je dis ça juste pour votre référence. Donc il est là, et à la fin du Cold Winter Challenge, dès les premiers jours de mars, c'est que j'ai fini le livre que j'ai en cours à ce moment-là, ou à ce moment avant, si jamais je l'ai plus, mais je pense que je verrai pas tous mes livres pour le Cold Winter Challenge, parce que il faut que je finisse celui-là, 1, 2, 3, 4, 5, et j'en ai 6 à lire encore, dont un en anglais et une qui est une intégrale avec deux bouquins. Donc dernière lettre, Z pour le livre qui t'a volé le dernier livre que t'as tenu veillé, Bien trop tard la nuit. Alors, excellente question. Eh ben, ça va être très simple. Le Mercy Thompson, tome 11. Je me suis acheté plus tard que ce que je pensais, d'ailleurs. Et je l'ai lu, je me suis empiffrée. J'ai lu un petit peu un soir, puis le lendemain, je l'ai commencé, je l'ai terminé dans... Enfin, je l'ai repris et je l'ai terminé dans la nuit à 3h du matin. Voilà, c'est fait, c'est dit. Parce que l'autre livre que j'ai lu sans modération, c'était une après-midi que ça m'a volé, donc ça compte pas. Eh bien, c'était la dernière lettre de l'alphabet, donc je ne tague personne, puisque je connais pas personnellement de booktuber. Donc comme ça, c'est dit, c'est fait. Dites-moi si ça vous intéresse de faire le vôtre, ou si vous voulez me répondre pour chaque lettre dans les commentaires et en barre d'infos, je vous mets les différentes questions. Donc c'est un vieux book tag, mais je pense qu'il est intéressant à sortir juste comme ça pour s'amuser. Et j'espère que ça vous a plu, que les book tags justement vous plaisent et vous intéressent, puisque j'ai l'intention d'en faire plusieurs, contrairement à ce que je faisais avant où je m'étais orientée vers book haul, update lecture et c'est tout. Vous voyez que je commence à me diversifier, je pense que c'est mieux. Déjà parce que ça me permet de sortir plus de vidéos, mais aussi parce que ça me décharge sur la vitesse de lecture que je dois avoir pour vous présenter ensuite des updates tous les mois, puisque j'aime vous en présenter un tous les mois. Et les hauls, je n'achète plus autant que ce que je faisais avant, j'ai bien acheté avant, et maintenant les book hauls ce sera justement rien que par saison, donc le prochain ce sera mi-mars pour le début du printemps,
où je ferai un compte rendu du haul d'hiver, bien que je pense que je le ferai début mars, puisque j'achète quelques livres par mois, mais en début de mois, donc mi-mars, je peux vous le faire ce haul. Donc je vous laisse ici, j'arrête de blablater parce que je blablate beaucoup. J'espère que la qualité de la vidéo est bonne. Si ça se trouve, je vais dire ça alors qu'elle est excellente. Je sais que d'un point de vue image, ça va être pas mal. Au niveau son, c'est au niveau du son, je sais absolument pas ce que ça donne. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera soit le unboxing de la Fairy Loot, ce qui je pense ne sera pas lui. Parce qu'ils ne m'ont toujours pas envoyé, donc forcément pas reçu. Donc je pense que je vous ferai un update lecture pour la prochaine fois.